Enviso is een bedrijf. We doen consulting in cybersecurity voor de financiële sector, kritische overheidssectoren en de technologiesector. Aujourd'hui, c'est devenu un sujet qui fait peur, mais qu'on ne comprend pas toujours bien et qu'on peut aborder par de multiples angles. Et donc, ce qui est intéressant et ce qui est très agréable pour nous, c'est d'arriver à leur donner des réponses concrètes. L'innovatieprijs van Rice van Innovaris komt eigenlijk voor ons op het juiste moment. Omdat eigenlijk sinds sedert een jaar zijn we een specifiek deel van onze services aan het uitbouwen. Het gaat dan over forensisch onderzoek en het beheer van incidenten, beveiligingsincidenten bij klanten. Ce qui est étonnant dans une société qui fait de la cybersécurité, c'est que moi, personnellement, je n'ai pas étudié comment l'informatique, je ne suis pas technique. J'ai étudié les affaires. La sécurité, aujourd'hui, c'est aussi une affaire de management. Ik denk ook Willem en Vist absoluut bedanken voor de steun die we gaan krijgen voor dit plan, omdat binnen een klein bedrijf zoals het onze, die steun gaat ons echt toelaten om innovatie te embedden in onze cultuur en dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen zoals dat we in het verleden gedaan hebben. Dus dat is echt cruciaal voor ons als bedrijf. Je pense que c'est, comme on dit en anglais, think outside the box, donc avoir des idées qui sont originales. Je pense aussi qu'il faut une certaine rigueur, parce que sans créativité, sans rigueur plutôt, la créativité ne mène à rien. Et donc cette rigueur, c'est la rigueur dans la gestion. On gère une entreprise, on a la responsabilité quand même de gens qu'on a mis au travail, on a une responsabilité vis-à-vis de nos clients. Et donc je dirais que c'est cette combinaison de rigueur et de créativité qui d'après moi, fait un entrepreneur efficace. Je pense d'ailleurs que c'est ce qu'on a chez Enviso.